Ici, on va continuer sur l'unité 3, donc sur la leçon 11, formes et équations des graphiques. Alors, regardons ici. Donc, nous avons déjà dit que l'équation d'une droite, hein, donc nous avons dit que la droite est le graphique le plus facile à tracer et puis à trouver. Et nous avons dit qu'au fond, nous avons trois types de droites. Soit les droites inclinées, les droites horizontales, donc je vais les mettre une horizontale comme ça. Et puis nous avons les droites verticales, pardon, comme ça. Et nous avons dit que pour chacune des droites, il y a une certaine fonction. Si la droite est inclinée, donc je vais l'écrire ici, y elle est égale à mx plus b. Si la droite est horizontale, y est égale à b. Et si la droite est verticale, l'équation x elle est égale à un nombre. Donc j'écris un nombre ici. Donc c'était ça les équations des droites. Alors, on peut les mettre comme ça. Cette forme-là, on l'appelle la forme fonctionnelle. Les formes comme ça, donc je vais les écrire. Y est égal à mx plus b. Y est égal à b. X est égal à un nombre. Eh bien, parfois, on les appelle, ces deux-là, on les appelle les formes fonctionnelles. Formes fonctionnelles. Mais il y a une autre forme qu'on appelle la forme générale. Forme générale d'une droite. Et dans la forme générale, comment on écrit l'équation d'une droite? Eh bien, on l'écrit comme ça. AX plus BY plus C égale 0. Donc, alors, c'est très important que ce soit égal 0. Si ce n'est pas égal 0, ce n'est pas la forme générale. Ok, un exemple, d'une équation 2X plus 3y moins 5 égale 0. Parce que A, B et C sont tout simplement des nombres. A, B et C, des nombres entiers. Des nombres entiers sont des nombres. Un autre exemple, 5x moins 3y plus 10 égale 0. Donc, je pourrais mettre plusieurs exemples, hein. Seulement, il faut s'assurer que les A, B et C sont des nombres. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est comment on va passer d'une forme générale à la forme fonctionnelle comme elle. Alors, les formes fonctionnelles, ça, tu les connais déjà, hein. Je pourrais prendre n'importe quel exemple. Exemple égal à 2x moins 5. Y est égal à moins 3x plus 10. Ça, ce sont tous des formes d'équations inclinées, etc. Mais si on a une forme générale, comment on peut passer de la forme générale à la forme fonctionnelle? Eh bien, maintenant, c'est ce qu'on va faire avec quelques exemples. Alors, regardons ici. Donc, on va faire transformation. Transformation de générale à fonctionnelle. À fonctionnelle. Et là, on va faire quelques exemples, parce que ce sont des exemples qui vont bien faire. Alors, on va faire exemple 1. Je prendrai par exemple x moins y plus 5 égale 0. Ça, c'est une fonction qui est sous forme fonctionnelle, sous forme générale. Donc, ça, c'est je mettrai fg, c'est-à-dire forme générale, donc fonctionnelle, donc fg, forme générale, fonctionnelle, ff, comme ça. Donc, c'est ça. Alors, pour la transformer en forme fonctionnelle, eh bien, tout simplement, on isole le y. Donc, je vais faire de l'algèbre pour laisser le y tout seul. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde les termes. J'ai le x ici. J'ai le terme du y, qui est comme ça. Et j'ai le terme du 5, qui est là. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transférer les termes du x, le transformer le terme du 5 et celui du y, et ça en faisant de l'algèbre, tout simplement, hein. Alors, regarde ici. J'ai x, comment je vais transférer x? Eh bien, le contraire de, parce que x n'a pas de signe, ça veut dire il y a un plus. Le contraire de plus x, c'est moins x. Donc, je dois faire moins x ici. Eh bien, bien sûr, je dois faire le chemin de fer, hein. Alors, cela va partir. Qu'est-ce qui va me rester ici? Ça me reste moins y plus 5 égale 0 moins x, c'est moins x. Parce que le 0 est inutile, il n'y a rien. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer le plus 5 de l'autre côté. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire moins 5.
moins 5, moins 5. Je ne l'écris pas sur le moins x parce que le moins 5 ne ressemble pas à moins x. Eh bien, cela va partir, ça me donnera moins y égale à x moins 5. Après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire à ce moins-là? Ben, je dois le transférer. Eh bien, puisqu'il n'y a aucun nom, je mettrai 1. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire diviser par moins 1, diviser par moins 1, diviser par moins 1. Je divise chacun. Et là, ça va faire y égale. X qui divise moins 1, c'est comme si j'ai 1. X qui divise moins 1, 1 qui divise moins 1, c'est moins 1, donc c'est moins 1, moins 1x. Moins 5 qui divise moins 1, c'est plus 5, donc c'est 5, c'est plus 5. Est-ce que ce 1-là est utile? Non, donc je dois faire le ménage, donc y est égal à moins x plus 5. Eh bien, c'est ça la forme fonctionnelle, tu vois. La forme fonctionnelle, c'est isoler le y. C'est ça la forme fonctionnelle. Eh bien, voilà, j'ai transformé la forme fonctionnelle. Alors maintenant, prenons un autre exemple. Je prendrai par exemple 3x plus 5y moins 7 égale 0. Encore une fois, je dois isoler le y. Donc, isoler le y, eh bien, tout simplement, je dois identifier les termes. Ça, c'est mon premier terme. Ça, c'est le deuxième terme. Donc, peut-être, je ne vais que le souligner. Et le troisième terme, je vais le faire avec une autre couleur, qui est comme ça. Et moi, je vais isoler le y. Donc, je dois passer tous les autres termes de l'autre côté. Lui, je dois le passer de l'autre côté. Et lui, je dois le passer de l'autre côté. Je ne dois laisser que le terme du y, parce que c'est le y que j'isole. Donc, je dois laisser le terme du y tout seul. Eh bien, même chose. Toujours avec le contraire. Quel est le contraire de plus? Ça, c'est 3. Ça veut dire plus 3, moins 3. Donc, moins 3x, moins 3x. Cela va partir. Qu'est-ce qui va rester ici? Plus 5y, moins 7. Égal. 0 moins 3x, c'est moins 3x. Parce que 0, moins quelque chose, ça resterait ce moins quelque chose. Maintenant, je dois passer le moins 7. Comme on vient de le dire ici. Quel est le contraire de moins 7? Plus 7. Donc, ça ferait plus 7. Plus 7. Celui-là va partir. Qu'est-ce qui reste? 5y. Égal. Parce que plus, ici, le plus ici n'est pas utile. Parce que quand on a le plus, on peut l'éliminer si on veut. Il est déjà là. Égal à combien? Moins 3x plus 7. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je dois laisser le y tout seul. Parce que c'est ça, isoler le y. Eh bien, ici, c'est un fois. Je dois diviser par 5. Et chaque terme, je dois le diviser par 5. Comme ça. Cela va partir. Ça restera y égale. Moins 3 sur 5, c'est une fraction que je peux plus réduire. Tu peux le vérifier avec la calculatrice. C'est moins 3 sur 5x. 7 sur 5, ça ne se réduit pas, ça va faire plus 7 sur 5. Et ben voilà, j'ai transformé ma forme générale en forme fonctionnelle. Donc, transformer la forme fonctionnelle, c'est isoler le y. Alors, il nous reste encore du temps pour faire quelques autres petits exemples. Alors ça, c'est l'exemple 3, hein, je n'ai pas changé tout à l'heure, ça c'était l'exemple 2. Maintenant, ça c'est l'exemple 3 que je vais faire ici. Alors, je vais faire moins 2x moins 5y plus 3 égale 0. Alors, même chose encore, j'identifie mes termes et je dois isoler le y. Ça, c'est le premier terme. Ça, c'est le deuxième terme, je vais le faire avec une autre couleur. Et le troisième terme, le terme constant, il est là. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois isoler le y, ça veut dire que je dois passer en premier les termes. Ces deux-là, je dois les passer en premier, hein. Et là, on les passe par quoi? Eh bien, tout simplement par le contraire. J'ai ici moins 2x, ça va faire plus 2x, plus 2x. Donc, ce que je fais dans la droite, je le fais dans la gauche. Là, qu'est-ce qui va rester? Il va me rester 5y plus 3 égale. 0 plus 2x, c'est 2x. Maintenant, je dois placer le moins 3, je dois le passer. Donc, je dois faire moins 3, moins 3. Alors, plus 3, moins 3 va paraître. Donc, ça va faire moins 5y est égal à 2x moins 3. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Attention, il y a plusieurs qui vont dire « Ah, je vais faire plus 5 ». Non, parce que 5 ici, il est mélangé avec le y. Regarde les contraires ici. Moins 2x, moins 5y. Je vois les termes, je pourrais les identifier. Hein. Ici, je ne peux pas dire « moins 5 est un terme ». Moins 5 est mélangé avec le y, c'est un fois. Donc, je dois diviser par moins 5, diviser par moins 5, diviser par moins 5 chaque terme. Là, ça va paraître, ça va faire y égale. 2 qui divise moins 5, c'est moins 2 sur 5x. Tu peux le
le vérifier avec la calculatrice. Moins 3 fraction moins 5, ou bien moins 3 qui divise moins 5, ça va faire plus 3 sur 5. Et bien voilà, j'ai transformé mon équation sous la forme fonctionnelle. Donc toujours fonctionnelle, c'est isoler la variable. Alors prenons quelques autres exemples et on aura fini. J'ai par exemple, donc ça c'est l'exemple 4, hein. J'ai par exemple 3x moins 6 égale 0. Et bien là encore, dans ce cas-là, il n'y a pas de y à isoler. Donc si je n'ai pas de y à isoler, j'isole le x. Alors le premier terme c'est lui, comme ça. Et j'ai le deuxième terme, c'est lui. Toujours je les identifie, là, ce sont deux termes. Et là je vais faire chemin de fer. Là, il n'y a pas d'y. S'il n'y a pas d'y, il faut isoler le x. OK? Alors, j'isole le x. Donc, comment j'isole les x? Je dois passer en premier ce terme-là de l'autre côté. Donc, je dois faire plus 6. Plus 6. Donc, ceux-là vont partir. Ça me restera 3x égale 0 plus 6, c'est 6. Là encore, comment je me débarrasse de 3? Le 3 est mélangé avec le x. 3, ce n'est pas un terme, c'est un fois. Je dois diviser par 3. Je dois diviser par 3. Et ça, c'est x est égal à 2. Et là, c'est quel type de droite? C'est une droite verticale. Je te rappelle, les droites verticales, on a dit vertical, l'équation de droite verticale, c'est x égale à un nombre. Incliné, c'est y est égal à mx plus b. Ça, c'est incliné. Et horizontal, on a dit c'est y est égal à b, ou bien y est égal à un nombre. Donc ça, c'est une droite verticale. Maintenant, rien qu'en regardant l'équation, tu dois être capable de savoir son graphique, comment il va être. Est-ce que c'est horizontal, vertical ou incliné, hein? Donc, alors, faisons un dernier, hein, ou presque. Donc, exemple 5, je crois. Hein? Prenons par exemple, j'ai 3y moins 6 est égal à 0. Là encore, ben, il n'y a pas de x. S'il n'y a pas de x, à ton avis, ça serait quel type de droite? On va voir. S'il n'y a pas de x, on va voir que c'est une droite verticale. Alors là, horizontale, pardon. C'est ça. Et puis l'autre terme, c'est lui. Alors j'isole le y ici, je passe le moins 6 de l'autre côté. Ça veut dire que je le passe avec le contraire, ça va faire plus 6. Plus 6, celle-là va partir, ça me donnera 3y est égal à 6, je dois diviser par 3, je dois diviser par 3, y est égal à 2. Et bien ici, y est égal à 2. C'est quel type de droite celle-là? C'est une droite horizontale. Horizontale. Alors, on va faire un exercice, c'est tout, donc je crois que tout est correct. Peut-être on a encore le temps pour un dernier, et c'est tout, hein. Donc, exercice 6. Donc, ça, c'est 5, exemple 6. Là, prenons par exemple moins 2y plus 5x égale 0. Alors, toujours attention. Quand on a le y, on isole le y. S'il n'y a pas de y, là, on isole le x. Là, je regarde les termes. Alors, le premier terme, c'est celui-là. Je vais l'encadrer. C'est avec le y. Et le deuxième terme, c'est lui. Mais qu'est-ce que je dois passer de l'autre côté? Parce que je vais isoler le y, même si le mien est ici. Tu ne dois pas être mélangé, parce que ce que tu veux isoler, c'est toujours le y. Donc, c'est le terme du x qui doit changer de place. Donc là, comment je vais changer de place? Parce que plus 5, ça va être moins 5x. Moins 5x. Alors, ces deux-là vont partir. Moins 2y égale 0 moins 5x, moins 5x. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que je dois déplacer? Le moins 2. Attention, le moins 2 est mélangé avec le y, donc c'est un fois. Donc, je dois diviser par moins 2. Je dois diviser par moins 2. Ça me donnerait y maintenant égal moins 5 sur moins 2. Simplifier la fraction, ça va faire 5 sur 2x. Et bien, voilà, c'est là. C'est quel type de droite celle-là? Inclinée. C'est une droite inclinée. Pourquoi? Parce que j'ai le x et le y, il est sous la forme. Le taux, c'est quoi? C'est 5 sur 2. Si je veux savoir le taux, c'est 5 sur 2. Et l'initial, ou bien le B, c'est 0, parce qu'il n'y a pas de B. Donc voilà comment on fait, c'est-à-dire passer de la forme
forme générale à la forme fonctionnelle, c'est tout simplement x au lieu de y. Peut-être ici, on va faire un petit résumé rapide. Alors, on va résumer tout ça rapidement. Donc là, on va écrire ici, forme générale. Forme générale. Alors, la forme générale, c'est quoi? C'est ax plus by plus c égale 0. A, b et c sont des nombres entiers. On va regarder ça plus en détail quand on va faire la transformation inverse. Donc, c'est toujours comme ça. Et on écrit toujours les a, b et c en lettres majuscules. L'autre forme, c'est la forme fonctionnelle. Forme fonctionnelle. Et là, nous avons trois cas. Donc, on va les écrire tous les cas. Droite inclinée. Droite inclinée. C'est la droite inclinée. L'équation, c'est y est égal à mx plus b. Ou bien y est égal à taux fois x plus initial. Parfois, ça aide bien pour savoir chacun sait quoi. Deuxième situation. Droite horizontale. Eh bien, si ma droite est horizontale, donc l'équation, c'est y est égal à b. C'est-à-dire, y est égal à un nombre. Donc, j'écrirai nombre. Y est égal à b ou bien nombre. Est égal à initial, pardon. Hein, est égal à initial. Ou bien, y est égal à b. C'est la même chose. Troisième cas. Droite verticale. C'est là où il n'y a pas de y, et bien x est égal à un nombre. Alors, horizontal, il n'y a pas de x. Vertical, il y a x. Dans l'incliné, il y a x et y en même temps. Hein. Donc, j'écrirai x et y ici. Ça veut dire qu'il y a x et y dans les deux. Ici, il n'y a que y. Ici, il n'y a que x. Donc, ça, ce sont des petits trucs qui pourraient montrer, qui pourraient t'aider. Et nous avons vu comment passer de la générale, donc la forme générale vers forme fonctionnelle, qu'est-ce qu'on doit faire? Isoler y. Isoler y. Donc voilà pour ce cours-là. Il nous reste comment voir comment on transforme la forme fonctionnelle en forme générale.